Eh bien, nous revoici encore une 4 ans plus tard. 4 ans plus tard, exactement. On avait fait un film, moi et mon ami, puis justement, on voulait juste faire ça de même, on ne devait pas préparer. J'ai arrêté de voir il y a plus de temps, moi. Je suis rendu dans le gourou. Bon, c'est bon. Un autre, est-ce qu'il vous dit Red Bull? Tabarnouche. Hey, c'est l'équivalence de 12 cafés quasiment, cette patente-là, mais. Moi, une chatte tout en bas, là. Ouais, ben c'est ça, moi j'ai bu un après l'autre, au moins, c'est pas si pire, tu sais. C'est pas si pire. Hey, on n'est pas ici pour parler du niveau de piste qu'on est capable de faire ici quand on boit trop de café, mais justement, on veut revenir sur quelque chose qui s'est passé pendant le film que j'essayais de parler, pendant que lui montrait ses Red Bull. C'était quelque chose qu'on s'attendait pas, on voulait faire un film de maison hantée, mais on voulait faire une parodie en même temps, puis un moment donné... Ça fait ça. Char pas tout seul? Non, c'est pas le char hanté qu'on fait sa maison hantée. Non, donc c'est ça. Ben, on va s'en aller justement vers la cave. Ouais. On va arrêter de faire justement les caves. C'est pas chaud aussi? Non, c'est pas chaud. Je vais allumer ma lumière là, parce que là, on voit fuck all. Je sais qu'il y a du monde qui. Donc c'est ça, pendant qu'on faisait ce film-là, nous autres on s'était rendu compte de rien parce que justement on voulait faire une parodie puis on s'était tout préparé, ok tu vas faire des bruits à tel moment du film pis tout, puis à un moment donné à 8 quelques secondes on voit clairement quelque chose de vraiment weird sur le mur dans la cave qu'on justement on est là. Donc évidemment c'est pas une maison construite en 2014. C'est une vieille maison. Puis, ouais, ben c'est sûr, il se pose en lumière. Oui. Je me rappelle que. Alright, merci. Ben, on va éteindre la flashlight pour économiser les batteries. Donc, c'est ça, on avait justement, on était ici dans la cave, puis là, on faisait des niaiseries, puis on essayait de faire croire au monde que. Voyons, quoi. Je me suis pété la tête sur le bim. Ça, on faisait à quoi, justement, qu'il y avait un fantôme, mais dans le haut de la maison. Donc, on s'était arrangé qu'il n'y en ait un qui. Tiens. Ouais. On s'était arrangé, justement, que pendant qu'il y en a un qui filme, l'autre, il aurait été en haut, sans faire trop de bruit, puis il aurait fait des bruits de poupe, on aurait fait triper le monde. Sauf ce qui est arrivé, c'est. Je sais pas si tu peux filmer le mur, là. Ouais, exactement, c'est un mur, là. Qu'on voit comme une ancienne entrée de fenêtre. Tu l'as vu l'autre fois? Ouais, c'est ça. Puis le pire, c'est que là, on va essayer de s'approcher plus tout à l'heure avec le connect parce qu'on c'est vraiment qu'il y a comme une fenêtre, une affaire de même ou peu importe quoi. T'as le premier connect? Il y a du monde. Non, ben attends, je veux juste voir le cas. Là, justement, il y a du monde qui ont vu, puis c'est pas une face. Vous pouvez aller voir là sur Maison T1, évidemment, si vous l'avez pas vu. Puis on voit clairement une face comme une face de mort. Puis je vous le jure, là, c'est pas une face, là, on n'y est plus, là. On n'a jamais, écoutez, on n'aurait même pas eu les moyens de faire un trucage comme ça. Donc, ça a fait jaser beaucoup les gens. Puis le plus drôle de tout ça, c'est que mon ami qui tient la caméra, on ne savait même pas, c'était en allant voir justement s'il y avait du monde qui avait été voir. Un an plus tard, vrai? Ouais, à peu près environ. Puis là, on voyait qu'il y avait comme, on était rendu quasiment à 12 000, quelque chose de même, personne. J'étais comme, wow, what the fuck, tu sais, c'est loin d'être notre meilleur sketch, tu sais, justement, on avait fait ça en impro. Puis là, justement, le monde disait à 8 minutes, point que, qu'on voit qu'il y a de mort. Ouais, ben tiens, prends la flashlight, toi. Moi, je vais, justement... C'est ce fameux mur-là, là, pis la tête est environ à quelque part, là. Hey, là c'est juste par là, je pense. Ouais, exactement. Le bonhomme de neige? Ouais. Je pense que le bonhomme de neige, il était pas, là. Écoutez, non, mais... ça fait un bout de ça, là. On va le tasser, hey, peut-être. Hey. Attends, on va essayer de. Là, on a l'ombre du bonhomme, là. Donc, c'est à peu près exactement, là, ici, qu'on avait vu, justement, une face de mort, une affaire. En tout cas, c'est inexplicable. Il y a du monde qui nous ont. Qui ont essayé. Venir voir la maison? Ouais, il y en a même qui voulaient aller voir la maison, puis tout. Puis en même temps, ben, il y en a qui nous posaient des questions. Waouh, les gars, travaillez-vous pour TAPS? Non, on n'est pas des anciens plombiers qui font des émissions de fantômes, là. C'est mais, vieux. Mais, c'est ça, c'est vieux, puis toute l'équipe. Là, ce que je veux en venir, c'est que. C'est quoi la trappe, là? Ça, c'est une ancienne entrée à tuyaux. Ouais, c'est là. Hey, on jurait qu'on est dans un film, tu sais, les vieux films d'horreur, le style Evil Dead, là, l'opéra de la terreur, tout. Là, le sol, il était formé pareil. D'ailleurs, là, le même niveau de toile d'araignée, c'est carré. Ben, moi, je m'en connais pas, ben, pas les araignées. Mais, c'est malade, puis justement, ben, évidemment, cette maison-là est très, très vieille, puis... j'ai appris, puis on a fait une coupe de petites études bonbons, comme on pourrait dire.
que justement, dans ces coins-là, où que la maison a été bâtie, c'est que, il y a bien longtemps, il y a eu une guerre pour un partage de territoire, une affaire de même. Là, on parle des années, tabac, 1800 cuques, ou peut-être. Ah oh, ouais, 1800 cuques, c'est sûr. Puis okay. Justement, là, passé même. Puis justement, il y a eu bien des morts dans ces alentours-là. Fait que là. De quoi ça? Il manque de lumière! Ah, mais ça, ça peut être juste un breaker, là. Ça va? Bon, ben, on va faire un peu comme TAPS. on connaît nos sérieux imbéciles de TAPS, Ghost Hunter. Esprit, es-tu là? Nous venons t'aider, tu sais. Comment tu peux aider? Il est mort. Qu'est-ce que tu... Do you smell that? Ça sent marre de ce chier. Non. Ben voyons, calique. Hey, on voit fuck all, c'est vraiment le fun. Change une petite flashlight, genre Radio Shack. Dans le temps, ça s'appelait Radio Shack. Qu'est-ce qu'on fait, là, site? Ben là, on a l'air de deux crises de zouf, là. J'apporte ça. Là, en tout cas, je sais pas pourquoi j'ai toujours l'impression de vouloir filmer ce mur-là. Tu sais, peut-être qu'on va revoir encore le visage. Ça sera à vous, cher ami, de... Tu filmes un peu? Hein? Tu filmes un peu? Ah, j'ai compris. Vu que tu fumes un peu, je disais, ben ouais, tu peux filmer, là, tu sais. En tout cas, on va faire comme des. Excusez-nous pour la mauvaise coupure, puis le pire de tout ça, c'est que mon chum, il a carrément pas pesé sur le piton off. Soit que c'est la caméra qui rush, parce que les batteries sont pourtant full load, ou si on se fie à certaines thèses ou émissions, quand il y a de l'énergie qu'on parle fantomatique ou peu importe, ça peut faire justement geler ou faire des focages sur la caméra ou le Kodak, peu importe. Là, ce qui est vraiment bizarre, c'est que, bon, évidemment, comme vous savez, les lumières sont éteintes. Mon chum, il a crié, c'est un peu comme, peu importe, là. Mais l'autre affaire, quand j'ai dit à un moment donné, « Do you smell that? » Vous sentez-vous, il y avait vraiment un odeur weird. T'as des poids en haut? Non, ben j'étais à peu près ici, parce que le mur, là j'ai niaisé, je sens tout ça, c'était une odeur genre de cadavre en putréfaction, une affaire de même. Ça se peut que ça soit peut-être des tuyaux. Là t'es vieux. Tu sais, ben c'est ça, c'est vieux évidemment, ou vraiment, là on commence à parler d'une game sérieuse qui a vraiment de quoi de weird dans la cave ici. C'est une mur peut-être? Ouais. Attends une minute, là, on va... Tiens, ouais, toi, occupe-toi de la flashlight. Tu vas me mettre là-bas? Ouais, là, on filme fuck off. Attention de pas tomber. Excusez-nous pour les mauvais plans, là, on a de la misère à s'acheter. OK, attends, non, mais refume quand... Voyons, qu'est-ce que tu fous, man? Ah, c'est beau. Excuse-toi plus, fais attention. Bon, en tout cas, là, on vous remet un magnifique plan du mur, mais c'est vraiment assez dur à... expliquer. Évidemment, moi, je suis pas le gars qui crée à mille à l'heure aux fantômes, mais quand on a vu ça sur Internet, on s'est dit, tabarnouche, puis ça fait longtemps qu'on était supposé d'en faire une suite, puis là, ça a comme pas donné, puis là, on s'est dit, justement, que ce soir, on avait le choix de te faire ça, ben là, regarder des reprises des Feux de l'amour à la TV, tu sais, c'est comme... C'est quoi le trou, là? Ben ça a été fait il y a pas longtemps, c'est la ligne isolante, tu vois qu'elle est quand même... tu sais, on regarde la chute, la vanière, vous le voyez, on dirait une immense crotte de nez, mais géante. Mais c'est jeune. Ah, c'est pas jeune, là. Comme je t'ai dit, on dirait vraiment le décor de Evil Dead, là. C'est vraiment, là, vraiment assez bizarre. Il fait loin, hein? Tabarnak? Ouais. Voyons, Chris, l'odeur vient, tabarnak. Ça, c'est le fun, hein? Moi, j'ai le don de me pogner dans des affaires... OK. Bon, un sport de bicycle qui m'agresse, là, c'est vraiment le fun. Bientôt, je vais te mettre mon air climatisé en haut, bientôt? Ouais, je vais mettre ton air climatisé, si on sort de site vivant. L'odeur, elle revient encore, man. C'est fucké, là. Non, c'est-tu le bonhomme de neige qui pue de même? Non, mais là, non, ben, c'est peut-être des tuyaux, comme, tu sais, comme si t'en voyais, là, mais écrit, voyons donc, dis-moi pas si ton affaire d'épuration sont par là, là. C'est vraiment ça qui m'intrigue. C'est sûr qu'il y a du monde qui vont dire « Ouais, mais pétez-les le mur. Ouais, mais c'est parce que pétez-les, tu sais. C'est ça qui est l'ultime chose pour tenir la fondation, tu sais. On a-tu l'air épais? » Je le sens, là. Hein? Je le sens. Bon, tu le sens. Pourtant, là, t'es où? Attends une minute. Ah, c'est pourtant proche de la porte. Il n'y a pas de tuyau ici, là. Ben, il y a un tuyau à côté de toi noir, mais je ne penserais pas... Très proche. Wow! Hein? Oh, fuck, man. Wow! Quoi? Quoi?
Moi, en tout cas, j'ai senti du vent, man. Pourtant, ils vendent pas dehors, là. Ils vendent fuck all dehors, là. Ben là, la porte est fermée, là, mais ils vendent fuck all. Fuck all, fuck all, fuck all. OK, je vais faire les préliminaires comme qu'ils font dans les émissions, là. OK, qu'est-ce que tu nous veux? Nous venons t'aider. Respire, man. Nous venons t'aider, même si on sait que t'es mort, puis j'espère que c'est pas un cas de suicide, parce qu'il aurait fallu t'aider avant que tu te suicides, puis tout. Mais on veut savoir qu'est-ce que tu fous dans la cave, évidemment, là. Pas un grenier certain. Non. Grenier, c'est ça. Ah non, j'ai vraiment senti du vent, man. J'ai vraiment pas aimé ça. Attention, le Père Noël. Le Père Noël, on s'en fout du Père Noël, man. C'est lui qui est possédé. Tu vois, on va le sortir dehors, il va fondre en crise. Ah, mais t'es en parlant, gars, c'est peut-être son ami qui cherche. Il y a le Père Noël là, puis là, il y a le bonhomme ça. Lutin, il est où, lutin? Je vais t'amener le lutin, là. Écoute, là, je commencerai pas à... On m'en va, là. Ah non, man. Je pense qu'on va arrêter l'enquête drette là, les amis. Je pense qu'on va faire des émissions comme Watatator. On peut être mieux, là. Fais-moi la peine. Ouais. Ah, crise de merde. Ouais. Petite flashlight, man. Ah, fuck. Il y a de la lumière en haut. Hein? Il y a de la lumière en haut. Ah, ok, elle repogne. Où ça? Au deuxième. Oh, je t'abats. T'es sérieux? Il y a personne qui reste au deuxième? C'est moi. Ah, ben c'est ça, c'est la lumière chez vous. Là. Si il y avait eu de la lumière avec ça, ça aurait été fuck all en esti. Anyway. Ciao tout le monde. Salut.